Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tournoi. J'ai pas joué pendant quelques jours. Là, je reprends ce matin, j'en ai ouvert 5, je crois, 5 ou 6, pour à peu près 30 euros de buy-in, d'inscription. Et on est sur la fin de deux tournois. En haut à droite, PokerStars, c'est un petit tournoi à 1 euro plus rebuy. J'ai mis en tout 3 euros avec la donne. Et je suis dans les places payées. On était 73 au départ. Et là, c'est la table finale. On n'est plus que 9. Et le 11e était payé. Donc là, au rang 9, on touche 5,62 €. Pour l'instant, ce n'est pas énorme. Mais je suis 3e en jetons. Je peux espérer mieux. Et en haut à gauche, sur Winamax, un tournoi à 3 euros. Et on est à la bulle. On était 181 au départ, on n'est plus que 22 et il y a 21 places payées pour 4,15 € pour le 21e, avec des sommes intéressantes pour le podium notamment. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, je suis 15e en jetons. On a les stats qui s'affichent à l'écran. Alors j'ai un petit peu changé par rapport à l'habitude, j'ai mis mes stats du jour en fait, même si je change de table, ça reste enregistré comme ça. Donc c'est plutôt pas mal cette config. Alors là il y a une relance à 4 fois, quasi, oui, 4 fois en premier de parole. Je vais décider de jeter. On va afficher ces stats complètement ici. Alors la paire de 3, il y a un limp. On est donc à la bulle, on va checker voir le flop. Voilà, je me disais si check, je vais miser. Pas énorme non plus pour essayer de gagner le pot tout de suite. Ah, ici, je vais décider de relancer. Alors là, on va continuer. Il a peut-être suivi avec rien. Voilà, ça passe. Dame 6, je jette. Alors concernant mes mains, on voit que j'en ai presque fait 150. Sur cette table-là, il y a plutôt des stats intéressantes. 18% de participation et pour 15% de relance. Donc quand je joue, c'est que je mise en général. Je limpe pas en premier de parole. 13% de 3 bêtes. C'est quand même beaucoup, mais c'est sur un petit total de mains. Donc peut-être que j'ai eu des mains assez intéressantes qui méritaient de 3 bêtes. 100% de continuation bet, c'est bien, sans doute peut-être un peu trop, on peut varier un peu, mais là c'est pareil, peut-être qu'avec des bonnes mains ou alors des bons flops, c'était logique que je mise. 100% de fold, ça par contre c'est important, mais bon c'est pareil, voilà, c'est deux fois, on voit que c'est deux fois sur deux, donc ça concerne que deux flops, donc les stats sont pas très parlantes là-dessus, et 6,7 d'agression. C'est plutôt assez important. Mais bon, voilà, je répète, c'est par rapport à un total de mains qui est assez faible. Il faudrait voir par rapport à 500 mains ou 1000 minimum. Là, les stats se ressemblent un petit peu. Moi, j'ai misé 7 fois en continuation bet sur 11 flops. Et ici, 9 fois sur 9. Mais du coup, la moyenne des deux est correcte si on fait la moyenne des deux tables. Alors ben, là, toujours à la bulle. Et ici, on vient de perdre un joueur. On n'est plus que 8. Assuré de toucher 6,40 €. On joue pour à peine 1 euro de plus pour l'instant. Alors ici, je vais décider de jeter. Je pense que beaucoup auraient envie de coller vu la cote.
mais j'ai la plus mauvaise position et j'ai pas une main extraordinaire. Elle est même pas suitée, même pas de la même couleur. Et alors, je peux pas dire à 100% que c'est le bon choix, mais quand on va toucher un roi, on va probablement être derrière, ben voilà, justement, avec roi valet, il me domine. Donc voilà, c'est un peu dangereux. Le fait qu'il n'y ait pas la position, c'est pas très confortable. Donc je préfère jeter. Et puis surtout, vu ma profondeur de tapis, c'est pas comme si j'avais 100 blindes devant moi. Alors ici, ça ralentit puisque ça joue sur les autres tables. Le chip leader qui relance à 3 fois. Alors c'est très élevé vu le montant de nos blindes. Là, la logique voudrait seulement 2 big blinds de relance. Et il va nous sortir un joueur. Alors ici avec As-7 dépareillé. Bah, étant donné qu'on est à la bulle, je vais jouer cette main. Dans d'autres conditions, je ne la jouerai pas. Je tombe dans les blindes de deux joueurs très passifs, zéro participation en 8 mains. Là, on pourrait dire 9% sur 35 mains, c'est très faible. Ça permet de gagner un petit pot de 11 800. Alors, est-ce qu'on va perdre un autre joueur? A priori, non. Allez, on n'est plus que 7, pardon. Je n'ai pas vu le 8e joueur être éliminé. Alors, ici, je vais jeter du fait de la position. Je suis en deuxième de parole, il y a encore 5 joueurs qui parlent derrière moi. Et du fait également de la profondeur de tapis, 15 blindes. J'aurais touché un joli flop par contre. Alors celle-ci, on va la relancer. À 15 blindes, on peut partir à tapis ici. J'ai pas beaucoup de profondeur. On pourrait faire min raise, mais on pourrait être collé. As-10 dépareillé, on n'aurait sans doute pas la position. On n'aurait pas beaucoup de profondeur de tapis derrière pour jouer. Je préfère mettre la pression sur les joueurs pour tenter de voler les 6 600 du milieu. Alors donc on est assuré de prendre 7,28 € et on joue pour 1 € de plus. Voilà, on va jeter.
Un joueur à tapis, je jette. Valet 3, je vais jeter aussi. Obligé de jeter 6-8, on va faire check fold. Valet dame dépareillé dans cette position, je jette. On n'a plus beaucoup de profondeur de tapis. Là, tout le monde peut gagner sur cette table. Le chip leader a 19 blindes, le short stack en a 10. Ben là, c'est un peu pareil que tout à l'heure, 13 blindes, As-9 suité, on va mettre la pression. Même si j'aime pas faire ça en premier de parole, mais c'est une bonne main. Alors j'ai ouvert la table du short stack. Qui se trouve ici et qui en plus est absent. Donc il va être dans la grosse blinde bientôt. Ça pourrait être plus rapide que prévu. Eh bien, c'est bon. On est payé. Alors ici, c'est bon, tout le monde est passé. Joueur déconnecté ici, un joueur qui utilise, enfin sans doute pareil, qui utilise tout son temps. On va attaquer le coup au bouton. On a été payé. Je vais continuation bet là-dessus sur ce flop pour représenter le roi. On est payé encore une fois. On va peut-être arrêter le coup ici, par contre. Ici, on va checker. Toujours des relances disproportionnées. Oui, d'ailleurs, ça m'avait fait sourire à un moment donné. Il avait relancé à 7 big blind pré-flop. Moi, j'avais envoyé tapis avec une bonne main et ça représentait 20,
19 grosses blindes, je crois, à peu près. Et il s'était couché alors qu'il avait encore de la profondeur. Donc des moves assez étranges. Neuf de je jette. Dame 6, pareil. Roi 10 dans cette position, je vais jeter parce que quitte à miser, il faudrait presque mettre tapis en fait avec 13 blindes. Et mettre tapis avec cette main-là, alors que je suis même pas au bouton, c'est pas génial. Je suis pas encore short stack avec 5 ou 6 blindes pour partir un peu à la désespérée. Dame 5, je vais jeter. C'était 3 aussi. Dame 2, pareil. Là, maintenant, on est dans tapis ou rien avec 11 blindes. Une paire servie. Là, ça sera tapis. Ça passe. Là, il relance au bouton. Bon, j'ai pas une main super pour aller à 3 bêtes à tapis. Ici, il y a une ouverture UTG, donc je jette. Là, si tout le monde passe, ça pourrait être une main sympa pour mettre la pression. Bon, ben, j'avais dit tapis ou rien, mais en fait, non. Là, je vais utiliser une blinde pour aller voir le flop quand même. Il y a une cote énorme, une main sympa, et malheureusement, il n'y avait qu'un joueur qui parlait derrière moi et il relance à tapis. Roi 6, ça sera un fold. Et 7 pareil, 6 et 7 même chose. Maintenant il faut quelques mains sympas pour pouvoir envoyer tapis et voler les blindes et les entées.
Roi 8, je fold. Ici aussi. Huit et trois pareil. On peut pas dire que ce soit des jolies mains. Alors je vais jeter cette main, malgré que ce soit un as, accompagné d'un 5. C'est pas génial, et il y a encore 5 personnes qui parlent derrière moi. Si je suis suivi par un as, je serai forcément derrière. Je peux aussi être suivi par une paire et je serai pas favori non plus. Voilà, le kicker 5 me gêne et la position aussi, donc je préfère patienter. Bon, là par contre, as 9 et qui plus est au bouton, ça sera tapis. Aïe, c'est payé rapidement. Il va falloir un miracle. Je touche mon 9. Yes, ça tient. Eh ben là, un peu de chance. Alors, j'en ai pas eu toute la matinée sur les autres tournois. Beaucoup de mauvaises rivers. J'ai perdu notamment un coup où j'étais favori à 95,5% à la turn. Et il touche une des deux cartes du paquet qui pouvait le faire gagner. J'ai perdu avec les dames contre les rois. Enfin, ça c'était logique, mais mauvaise rencontre. Alors là, du coup, j'ai eu un peu de bol ici, ça compense un peu. Là, je vais aller à tapis parce que j'ai un as, parce qu'il agresse au bouton, parce que c'est ce style de joueur. Après, je peux me tromper, mais allez, je suis un petit peu favori. Yes, ça tient. Ouais, il avait une main correcte cette fois-ci. Ici, un joueur plutôt prudent qui limp UTG alors qu'il est d'ailleurs chip leader du tournoi. Pas dire qu'il ait du bol, lui, du coup. Deux fois ultra favori et deux fois il perd le coup. Ouais, c'est vrai que le col. Ah, mais il y a les deux trèfles. Je lisais le commentaire de ce joueur-là. Un 5 des paris, je jette. As valet, 15 blindes. Ici, on va relancer parce que j'ai 24 big blindes. Alors, je vais checker cette fois-ci. Il y a deux joueurs en face de moi.
Alors là, je vais aller à tapis. Ah, quoique. Parce que je viens de voir. Ah, si, mais il n'y a que 4 blindes. Ouais, parce que je viens de voir les stats du joueur. Mais si, il faut. Là, il n'y a que 4 blindes, je vais y aller. Là, je touche ma quinte, on va miser. Alors, pas trop cher. Il fait full. 11 blindes, ben ça sera à nouveau tapis. 44 000. J'étais à 63. Ouais, malgré le pot à côté, j'ai quand même perdu. Bon, d'ailleurs, ouais, pas trop de chance sur ce coup-là parce que As-Valet sur Roi-9 et As-10. J'ai quand même le meilleur pourcentage de chance, 46% à 3 joueurs. Ici, on va jeter. Là aussi. Alors, on a franchi un nouveau palier là depuis quelques temps, on est à 4,88 et on joue pour 6,10 €. C'était 8 au bouton, je préfère jeter. Et 5 pareil. Alors là, on va relancer, d'autant qu'il manque un joueur, donc c'est un peu comme si j'étais au bouton finalement. Il y a un joueur très serré ici, à qui il ne reste plus que 5 blindes. J'ai quand même un as. Et ça passe. Et c'est la pause. On va finir de regarder ce coup-là, puisqu'il y a ce joueur qui est à tapis. Bon, il pourrait y avoir 3 joueurs concernés. Et c'est bon, un joueur éliminé, on n'est plus que 6. Allez, petite coupure et on reprend tout de suite après. Je mets pause. Allez, on reprend l'enregistrement. Ça va reprendre dans un peu moins d'une minute. En haut à droite, on est donc sur une table finale. On n'est plus que 6 joueurs. On était 73 au départ. Je suis quatrième en jetons. J'ai mis en tout 3 euros. C'est 1 euro plus rebuy. Je suis assuré de prendre 8,27 €. On joue pour 9,41 €. Et ça serait bien d'aller un peu plus haut. Là, j'ai que 9 blindes. On est de toute façon tous short stack, c'est tapis ou rien, là. À côté, sur Winamax, un tournoi à 3 euros. On était 181. On n'est plus que 16. On est également dans les places payées, assuré de toucher 4,88 €. Je suis 10e en jetons. Et il y a des sommes importantes après, notamment pour le top 3, top 4. Voilà, on va voir si on peut monter un peu plus. Là, j'ai un petit peu plus de marge. J'ai 22 big blinds. Dame 5, ça sera un fold. Là, s'il y a un éliminé sur cette table ou sur l'autre,
On franchit un petit palier supplémentaire. Bon, c'est pas grand-chose pour l'instant. C'est toujours ça de pris. Bon, ce matin, j'ai mis à peu près 30 euros d'inscription, de buy-in. Je vais vérifier sur mon logiciel pour être précis. 5 tournois. €31, ouais. Donc on peut y arriver soit en finissant deuxième ici ou premier, soit en faisant une place un peu en dessous ici et puis en montant un peu dans celui-ci. Pour l'instant, on n'y est pas. On va laisser le dépareiller, c'est un fold. Alors lui, on voit qu'il relance quasiment jamais 4% du temps. On pourrait le classer en étiquette bleue. Enfin, cela dit, il joue quand même une main sur 4, donc c'est peut-être pas. Ouais. On va lui laisser son étiquette jaune avec la note limp. Voilà, c'est plutôt un limper qui va donc du coup limper des mains qui mériteraient d'être relancées. 5 et 8, je jette. C'est pas comme celui qui va avoir 7% de participation et 5% de relance. Ça sera vraiment un joueur ultra serré. Là, ça serait plutôt le large passif qui joue une main sur 4 mais qui relance quasiment jamais. Il faudrait un 10 pour éliminer le joueur. Non, il n'y en aura pas. Allez, une bonne main en grosse blinde. C'est pas génial. C'est relancé à 3 fois. Il va falloir agresser avant que la grosse blinde revienne à moi. Les 10 des paris ici, je jette. Voilà, si tout le monde passe, ça pourrait être intéressant de mettre la pression sur le joueur qui est à côté de moi, mais ce n'est pas le cas. Ici, je relance en premier de parole avec As-8 à trèfle. Alors, au bouton avec Roi 4, là, même chose avec 4 blindes, ça serait tapis si tout le monde passe. Et bien voilà. Mettre la pression, essayer de gagner ce qu'il y a au milieu. Et bon, si on est payé, on a quand même un roi. Allez. Oh, il touche son 3, incroyable. Un 10. Non. Dommage, c'était un 50-50. Et ça n'a pas souri. Alors ici, il y a une toute petite relance. J'ai que 8000 à compléter dans un pot qui en fait 60 quasiment. Donc ça vaut le coup d'aller voir le flop. Bon, ici, on termine donc à la sixième place. On prend 8 euros. Il va falloir grimper dans l'échelle des gains sur ce tournoi-là. Alors j'ai qu'un tirage ventral. Il aurait fallu un deuxième trèfle pour que ce soit vraiment intéressant. On va jeter, d'autant qu'il n'a pas de profondeur derrière. Ah, ben voilà une main qui pourrait permettre de remonter un peu. Alors, il y a de l'action. On va relancer un peu, juste ce qu'il faut pour être payé.
Il a 28 000 à rajouter. Dans un pot qui fait 80, ça doit lui donner envie. Moitié de pot, on va mettre un peu moins. Un peu plus du tiers. Ça passe. Encore une belle main. Un joueur qui va à tapis avec deux blindes. C'est payé. Il lui reste 13 blindes derrière, donc ça sera tapis. Il a foldé. Et malheureusement, je ne touche rien. Il avait une belle main, malgré ses deux blindes et la position UTG. Il était forcé d'envoyer tapis rapidement, sinon il était dans une grosse blinde le coup d'après. Et il fait ça avec As-Roi. Je vais mettre pause et essayer de recadrer un petit peu l'écran pour visionner uniquement le tournoi de gauche. On reprend tout de suite après. Allez, reprise de l'enregistrement. On a l'échelle des gains à côté ici. On est assuré de toucher 6,10 € minimum. Alors pour que ce soit une matinée rentable, au moins rentrée dans mes frais, un paire de 8 ici, ça serait une relance en min-raise. Faudrait faire au moins 23, c'est-à-dire 23 €, donc c'est-à-dire minimum 6e pour être quitte. Et après, ça serait du bénéfice. Pour l'instant, je suis 8e en jetant. C'est noté ici, 8e sur 15 joueurs restants. Prochain palier à 12. Donc c'est tout à fait possible. Un joueur à tapis. On va jeter. Là aussi. Ici, je jette. On a un joueur absent ici depuis un moment. Ah, il y a de l'action. Le fameux 50-50 qui tourne à l'avantage des dames. Dommage, on aurait pu perdre un joueur. 8 et 5, je jette.
Ah ben voilà, on en perd un. On n'est plus que 14. Avec un joueur absent, un joueur short stack avec deux big blinds, il y a possibilité de gagner des places encore. Voilà un de moins. Roi 2, je jette. Un limp du chip leader de la table, chip leader du tournoi d'ailleurs aussi. On va checker. On va folder. Voilà une jolie main. Ce serait bien de pouvoir voler la blinde du joueur absent. Ah, grosse relance à ce stade du tournoi. Je pense qu'il y a peu de chances que je les fasse coucher. Si je relance, donc je vais quand même payer pour aller voir le flop avec cette belle main. Et je touche un joli brelan de dame que je vais m'empresser de checker. Alors je vais simplement call rapidement. On va checker. Dans tous les cas, je miserai à la river. On va voir s'il mise ici. Qui me fait. Il mise. Et bien voilà, ça sera un call. Et on est sûr de gagner. Voilà. C'est mieux de le laisser agir quand on a quasiment le jeu max comme ça, plutôt que de miser et de faire coucher finalement tous les jeux qui sont que l'on domine largement. Là, je lui ai laissé la possibilité de bluffer. Il s'est engouffré dedans. C'est parfait pour moi. J'arrive à doubler mon tapis là-dessus. On prend plus de confort avec presque 40 blindes. Je passe quatrième en jeton. On peut maintenant espérer viser plus haut. Allez, on perd un joueur de plus. On passe à 12 joueurs. Toujours ce joueur absent aussi.
roi 7 en premier de parole, ce sera un fold. Donc on est assuré de prendre 7,33 €. On joue pour 3,50 € de plus. Mais il faut encore éliminer 3 joueurs. Et rentrer en table finale. Allez, on va coller pour voir le flop. Et là, ce sera un fold. Il y a peu de chances qu'il me les laisse. Encore, il n'a pas mis tapis. Mais... Roi 4. Moi, je vais folder aussi. Voilà, c'est un mauvais move ici. Simplement coller alors qu'il reste 5 blindes derrière. Paire de 9, ce sera une relance en min raise avec 30 blindes. Un flop a priori favorable puisqu'il n'y a pas d'overcard. Voilà, du coup, on va essayer le tête à tête. Je suppose qu'il va aller à tapis. Oh non, c'est incroyable. Il joue que 3 cartes dans le paquet. Il doit avoir allez, 12% de chance de gagner le coup. 3 out à peu près. Mauvais coup. Bon, c'est dommage parce que ça me permettait de bien monter en termes de tapis, me retrouver sûrement dans les 3 ou 4 plus gros tapis du tournoi. Là, avec 18 blindes, ça sera tapis. Bon, parfait. On l'a fait coucher, on élimine le joueur qui est resté, mais il n'avait pas beaucoup derrière. Il dit qu'il avait paire de 9, ou j'ai mal lu. De toute façon, on n'a pas vu. Je suis 8e en jeton, ça serait bien d'essayer de rentrer sur la table finale. Gravir quelques échelons supplémentaires. Alors là, logiquement,
le chip leader devrait payer pour essayer d'éliminer un joueur. Même pas. Il n'y avait pas énormément à rajouter. Il y avait deux blindes à compléter. Là, c'est un fold. Alors, qu'est-ce que va faire Monsieur Grinder? Il va lui rester 3 blindes derrière. Roi 7, je vais jeter. Allez, on va attaquer Dame Valet dépareillée au cut-off, tout proche du bouton. Relance à tapis, ben on va jeter. Dame 3 aussi. Voilà, la logique voudrait que ce soit payé au moins par la grosse blinde, puisqu'il a pas beaucoup à mettre. Voilà, on perd un joueur de plus. On passe à 10. On est tout proche de la table finale. Et d'un cran, d'un échelon de plus au niveau des gains. 3,50 € de plus à peu près. Alors je touche la deuxième paire. On va coller rapidement. Continue de miser et plus de la moitié du pot. Alors il a probablement la dame. Du coup, je vais fold. Ce serait difficile à faire dans sa position avec la deuxième paire ou la troisième. Paire de deux, c'est un peu léger vu la profondeur de tapis pour coller ici. Donc je vais jeter. Dame 7, je fold aussi. Deux tables finales en 5 tournois, ça serait chouette. Malgré ça, je suis même pas sûr de finir positif en termes de gains. Bon, après, ça se joue à pas grand-chose. Il suffisait de gagner le coup logiquement tout à l'heure avec la paire de 9 pour être vraiment bien positionné dans ce tournoi. Voilà une belle main. Un limp au bouton, on sait qu'il limp souvent. Là, avec 16 blindes, ça sera tapis.
Dame 6, ce sera un fold. Quitte à vouloir mettre 16, autant mettre 32 ici pour au moins avoir une chance de voler les blindes et les entées. Je trouve ça un peu dommage de limper avec 18 blindes. Il s'enlève le droit de gagner le pot pré-flop. Eh bien, ça y est, on est en table finale. Il y a eu un éliminé sur l'autre table. Première main 2 et 6, on va jeter. On est assuré de prendre presque 11 euros. On joue pour 4,60 € de plus. On s'était fixé pour objectif d'arriver minimum 6e pour déjà, dans un premier temps, être quitte au niveau des inscriptions de ce matin. Enfin, ça ferait un petit bénéfice d'ailleurs, en espérant mieux. Pour l'instant, je suis 7e en jetons. Donc ça va pas être évident. Ah ben là, on va perdre un joueur avec un brelan floppé. Donc on est plus que 8, 14,66 € de gagné. On joue pour un peu moins de 4 euros de plus. Pour passer à 18, mais je suis short stack de la table. Alors cela dit, il suffit de doubler une fois pour être bien placé. Ils sont pas trop trop loin devant. Cinq et trois, ce sera un fold facile. Dame 2 en grosse blinde. Un as, un petit blind, faut voir s'il y a de l'action ou pas. Un joueur qui va à tapis, on va jeter. Les 5, je fold aussi. Alors, j'ai pas ses stats à lui, c'est bizarre.
Pas de jolie main pour l'instant. Il y a quand même 40 000 à prendre à chaque fois au milieu. Roi-Dame dépareillée, on va voir si ça bouge. Allez, avec 11 blindes, il faut que j'arrive à voler un coup de temps en temps, sinon je vais mourir à petit feu. Et si je suis payé par une paire en dessous, j'ai quand même 50% de chance de gagner le coup. Allez. Yes. Payé par Roi 6. J'allais rajouter qu'avec 170 000 à peu près, j'avais suffisamment aussi pour effrayer même les gros tapis. Quelqu'un qui a 500 000 n'a pas forcément envie de mettre 170 000 avec un jeu moyen. Ben là, on voit que le chip leader l'a fait avec Roi 6 de carreau. C'est vraiment mal joué parce que tous les rois seront dominés. Si c'est une paire intermédiaire, style paire de 8, paire de 9 que je joue, il sera loin derrière également. Bon, là, il nous a sorti un joueur. On est assuré de finir minimum 7e, donc 18 euros de gain. Et on va commencer à faire du bénéfice au prochain palier. Je suis passé quatrième en jeton, je me suis replacé un petit peu. Donc là, ça sera un fold avec As-8, notamment du fait que c'est face au chip leader. Là aussi, alors oui, j'ai dit quatrième en jeton, mais on est trois joueurs quasiment ex aequo ici. Alors le short stack, pardon, qui mise beaucoup, tout le monde passe. On est maintenant quatre joueurs à se tenir dans un mouchoir de poche. Huit et cinq, c'est un fold facile. As-10 avec 21 big blind. Alors le call serait plutôt mal vu, vu qu'il y a 4 joueurs derrière. Je vais folder. Voilà, parce que le call, c'est pas la bonne solution. Le 3 bet, ça pourrait être une possibilité, mais il relance quand même pas souvent. Donc il peut avoir mieux que As-10 dépareillé.
4 et 5, je jette. Dame 10 dépareillée, je vais jeter. Vu ma position, c'est relancé par quelqu'un qui est UTG plus 1. Paire de dames. Alors espérons qu'il y ait de l'action. Relance à 2,5. Alors là, je peux pas simplement call. On va 3 bêtes. Ça sera tapis. Allez, 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 une dame. Yes, ça tient. Ouf. Voilà qui est bien. Ça me permet de me positionner dans le trio de tête en termes des jetons. En termes de jetons. Fuite, ça sera poubelle. Valet 2, je jette. Le short stack qui s'engage avec ses 15 blindes. Il mise 2 big blindes pour l'instant. Deux joueurs face à lui, un flop très connecté. Malheureusement, il gagne ce coup, ça ne nous arrange pas vraiment. Cela dit, il y en a un autre qui s'est bien affaibli ici. Alors lui, on peut remarquer qu'il nous laisse quand même souvent les blindes, c'est déjà la deuxième fois en peu de temps.
Allez, on va tenter. Si vraiment il a un mauvais jeu, c'est pas quelqu'un qui participe outre mesure. Il a collé, donc on va pas s'embourber. Le but, c'était simplement de voler les blindes pour pas cher. Alors là, bizarrement, j'ai un 6. S'il avait misé à la turn, j'aurais payé parce que je ne le voyais pas avec un as et du coup ni avec dame ou valet. Et du coup, je pensais être devant avec ma hauteur roi. Et à la fin, je décide de ne pas miser sur le 6 parce que il n'y a rien qui va me payer si ce n'est un full au-dessus ou alors éventuellement hauteur as. Mais il aurait sans doute misé avant. Bon, pour peu, je passe chip leader du tournoi, mais il n'y a pas beaucoup d'écart avec deux joueurs notamment. Mais c'est déjà bien plus confortable que tout à l'heure. On a ce joueur Cro-Magnon là qui s'affaiblit petit à petit, il ne reste plus que 13 big blinds, il va rentrer dans la grosse blind juste après. En plus, c'est un profil très passif. Alors, je le retrouve en grosse blinde avec 9 et 5 dépareillés. C'est relancé à 2 fois et demi. J'ai un as, mais kicker 2, ça sera pas suffisant. Et du coup, il gagne un pot. As-7. Voilà, ça sera une action si tout le monde passe. Une raise au bouton. Mais malheureusement, il repart à tapis. Et là, c'est pareil, kicker 7, ça me plaît pas vraiment. Alors lui, il hésite à payer apparemment.
Il gagne deux pots d'affilée, il remonte tout doucement. Alors, est-ce qu'on va pouvoir relancer cette main? Toujours pas. Je jette aussi à suite. Et continue, c'est la quatrième fois d'affilée qui fait tapis. Pour l'instant, ça marche. Finalement, le joueur pas très agressif a changé de façon de jouer. Neuf et quatre, ce sera un fold. Pas de jolie main pour l'instant. Les blindes ont augmenté. Voilà de l'action. Il n'a même pas misé avec son roi à la river. Allez, dans 2 minutes, ça va être la pause.
As-2 des paris que je jette. Là, c'est un fold facile. Ah, là, il pourrait y avoir de l'action. C'est une relance UTG d'un joueur assez serré. Voilà, les dames. Ah, ça serait bien que les dames tiennent. Oh non. Bon, c'est pas grave. Il reste plus 40 000. Ce serait bien que quelqu'un relance pour essayer de l'éliminer. J'ai pas vraiment envie de jouer avec 8 et 5. Bon, ben obligé. Bon, il va naturellement coller. Allez, j'ai deux cartes vivantes. Pas de pique, ouais, malheureusement. Et touche couleur. C'est dommage que personne n'ait voulu participer. Allez, c'est la pause. On reprend, petite coupure et on reprend ensuite. Allez, ça va bientôt reprendre dans 40 secondes. J'ai ajouté la fenêtre de discussion et de, enfin, où on voit les mains. Et voilà, là, il y a le chat notamment. Au cas où. Parce que je vois qu'il y a un joueur qui a coché la case des deals. Alors pour l'instant, à 7 joueurs, c'est assez rare. Mais à 3 ou 4 joueurs restants, ça se fait de temps en temps. Donc ce tournoi où on n'est plus que 7 joueurs, 18 euros de gagné. On s'était fixé, il y a de ça un bon moment, si possible, la 6e place pour rentrer dans les frais de ce matin. Et commencer à faire un petit peu de bénef. Bon, on n'est plus très loin. Et surtout, en étant quatrième en jetons, on peut espérer un peu mieux. Paire de 8 au bouton avec 20 blindes, 21. Alors lui, il n'est peut-être pas revenu de la pause, ce joueur. Alors on a un joueur très short que j'ai tenté d'éliminer tout à l'heure. C'était un 50-50, malheureusement, il a touché couleur. Bon, je vais remettre pause le temps qu'il joue. Voilà, c'est revenu à moi. Là, on va partir sur un min-raise au bouton. Si lui va à tapis, naturellement, on va payer. On espère juste que lui n'y sera pas. Allez, on espère, paire de 8. Oh là là, il touche full, incroyable. Moi, j'étais bien favori encore contre As-4. Ça ne veut pas pour l'instant. Là, on va partir en min-raise également. Alors, on va continuer sur une bet sur ce flop. Pas la peine de mettre des tonnes, soit il a complètement loupé et voilà et ça passe, soit il a touché ou en tout cas il ne veut pas lâcher, ou alors il fait un check raise et du coup ça sert à rien de gaspiller des tonnes de jetons.
As-2, ça sera un fold. C'est vraiment dommage de ne pas avoir réussi par deux reprises à éliminer ce joueur. Ah, c'est payé par Roi Valet simplement, mon Dieu. Mais il n'y aura pas d'horreur, il touche pas de valet. Bah, c'est le même joueur qui m'avait payé avec Roi 6 de carreau à tapis, je crois. Il a engagé pas mal de jetons. Bon, on a deux joueurs très short là, 8 blindes et 10 blindes qui vont rentrer dans les blindes le tour d'après. Peut-être y avoir de l'action. Alors, ça sera pas avec moi, avec 3 et 2 de carreau. Ah, c'est dommage que personne n'attaque là. Moi, je peux vraiment pas avec ce jeu. Allez, on va tenter le coup ici. Allez, un continuation bet pour présenter l'as au cas où il n'y ait pas de cœur. Malheureusement, ça passe pas non plus. Il n'y a vraiment qu'un 5 miraculeux et qu'il soit pas de cœur qui me ferait sans doute gagner. Donc là, je pense que c'est paumé. Roi 9, il suit avec rien. Juste tirage cœur, hauteur 9, c'est un peu faible. Et je dégringole au sixième rang en termes de profondeur de tapis. C'est. Ouais, avec 10 blindes, il suit avec Roi 9 dépareillé. C'est pas génial non plus. Derrière, il colle avec hauteur 9, tirage couleur au 9. Et rien d'autre, il y a un as par terre. Bon, malheureusement, j'avais vraiment rien. Paire de 2, je vais jeter. Encore une fois. Valet 9 dépareillé, je jette. Un call UTG plus 1. Ça va peut-être nous permettre de voir le flop.
Bon, ici, ça sera check ou fold de toute façon. Rien d'intéressant. Et je fold. C'est une table quand même assez bizarre entre voilà, les limp UTG ou UTG plus 1 de ce joueur-là. Tout à l'heure, le call avec Roi-9 dépareillé alors qu'il a que 10 blindes derrière. Plusieurs joueurs qui sont chip leader et qui n'attaquent pas ce joueur-là. Tout à l'heure, quand il avait paire de 3, il avait plus que 2 blindes, je crois. Il restait 40 000 jetons. C'est moi qui ai dû attaquer avec 8 et 5 dépareillés. C'est assez bizarre comme table. Les blindes qui ont augmenté, il m'en reste plus que 10 et je suis passé short stack du coup. Ça fait un moment que j'ai pas gagné un pot. Alors c'est pareil, il suffit de doubler une fois pour repasser de chip leader quasiment, puis il y a 75 000 à prendre au milieu à chaque fois, mais j'ai pas vraiment de bonne main. La fois où j'ai tenté avec Dame 6 de carreau au bouton, j'ai été collé. Trois et 6, ça sera un fold. Valet 2 aussi. Alors je vais me retrouver en grosse blinde avec As-9. Alors il faut voir s'il y a de l'action et à partir d'où. Là une action UTG. C'est pas de bon augure. Qui plus est d'un joueur assez passif en termes de relance. Du coup, je pense que ce sera un fold avec As-9 dépareillé. C'est pas comme si la relance venait du bouton ou au cut-off. Donc je vais folder. Un call ne servirait à rien avec 10 blindes. Valet 8, je vais jeter.
0% de continuation bet sur 67 mains. Zéro sur deux. Valet 9, ça pourrait être faisable si personne bouge. Mais on n'a pas envie d'être payé. Allez, on essaye. Yes, ça passe. Faut bien que je gagne un pot de temps en temps, sinon je vais perdre les jetons rapidement. Roi 9 dépareillé dans cette position, je jette. On sera resté à 7 vraiment très très longtemps. Voilà encore un limp ici au cut-off. Je vois pas trop l'intérêt. Il se prive de pouvoir gagner plus de 60 000 de jetons. Bon, là il est relancé à tapis. Dame 4, c'est un fold. Alors, au niveau des stats, j'ai des stats assez serrées, assez prudentes, on va dire. 17% de participation, 14% de relance. Mais c'est essentiellement dû au fait que y a une bonne partie de ces mains-là qui étaient. Que ce soit de la bulle jusqu'à la table finale où j'étais assez short stack. Entre. 8 et 15 blindes en gros, 8 et 20 blindes, et c'était souvent tapis ou rien, donc du coup on réduit un petit peu les mains potentiellement jouables. Il y a un peu moins de participation. Encore un limp. Un de plus. Pas de flop favorable. Payé par A5, tirage couleur. Et ça passe, ça y est, enfin. On perd un joueur. On n'est plus que 6, je suis assuré de toucher 25 euros minimum. Alors malheureusement je suis short stack, j'ai plus que 8 blindes, mais au moins je rembourse les inscriptions du matin et je fais quelques euros de bénéfice. Bon là on arrive aux places qui sont intéressantes, les échelles de gains grimpent rapidement. Malheureusement j'ai peu de manœuvres, peu de jetons. On ne sait jamais, il suffit de doubler une fois pour revenir vraiment à la course. Ben là, ça sera tapis avec un as en tête-à-tête, seulement 8 blindes.
n'a pas vraiment envie d'être payé, ou alors par roi valet, j'allais dire roi 10. Allez, il faut que ça tienne. Un as, yes. Eh bien voilà, on double. Payé par roi 10. Alors là, je vais simplement min-raise parce que j'ai un peu peur quand même du chip leader ici. J'ai pas envie d'aller à tapis et d'être payé. Et bien voilà, deux coups d'affilée. On se retrouve troisième en jetons sur 6, tout proche du chip leader qui est à 740 000. Là, ça sera un fold évident. Allez. Eh bien, c'est bien, on perd un nouveau joueur. Ah non, pardon. Il avait un plus petit tapis. Bon, cela dit, il ne reste que 5 blindes. Ça serait bien qu'il y ait de l'action pour l'empêcher de faire tapis. Voilà. Allez, je tente le coup ici, au bouton, avec une main qui a du potentiel. Je touche mon 6, mais contre deux joueurs, j'ai peur que ce soit un peu léger, je préfère checker, j'ai pas envie d'être check-raisé ou... Voilà. Ah, je touchais la deuxième paire, mais bon, c'était un call assez moche de toute façon. J'ai essayé de voler les blindes, ça n'a pas marché. J'ai vu le flop, ça n'a pas été super favorable avec la deuxième paire contre deux joueurs. Voilà, ça a échoué, mais j'ai pas perdu énorme. Là, avec plus de tapis, j'aurais attaqué le coup au cut-off. Là, avec 11 blindes simplement maintenant. Et puis, je suis plus au bouton, j'ai perdu une place. J'ai donc trois joueurs qui parlent derrière moi. Puis, il y a un joueur qui est susceptible de d'être éliminé assez rapidement ici avec 5 blindes. Ça me ferait gagner 10 euros de plus. Je pense qu'il faut tout regarder maintenant. Encore du limp. Alors, est-ce qu'ils vont payer là? Ouais. Alors, lui, il a la cote maintenant en étant chip leader. Deux joueurs pour en éliminer un. On croise les doigts. Alors, ils n'ont pas l'air d'avoir grand-chose puisqu'ils font que checker. Peut-être que ça va se jouer à la hauteur. Et il a un as. Oh là là! Pas de bol. Allez, As-Dame en premier de parole, 11 blindes, c'est tapis naturellement. Il y a quand même 90 000 à prendre au milieu. Et ça passe.
Alors là, c'est pareil, roi valet dépareillé, 12 blindes tapis. On espère que ça passe. Ouais, c'est bon. 9 et 5, je fold. On est tous entre 10 et 21 blindes. 10 et 20 blindes maintenant. Voilà, il devrait avoir une belle main, 8% de relance en 144 mains. Mais ça a été payé assez rapidement, donc c'est de bon augure. Allez, il faut que ça tienne. Yes! On gagne une place de plus. Alors là, un as, mais avec un kicker 4, ça donne pas envie. Donc on est assuré de prendre 35. Et on joue pour 12 euros de plus. Je suis à nouveau short stack. Alors là, s'il y avait un petit min raise, voilà, à 80, peut-être que je pourrais participer. On va défendre la blinde. Allez. Et bien voilà, on va partir sur un check raise. Je check rapidement, j'espère qu'il mise 100 000. Très bien. On va partir sur 240. Il y a un problème d'affichage là. Oula, oula, oula. J'espère qu'il n'y a pas de déconnexion. Ah bon, voilà, c'est bon. Ouf. Bah même chose ici. Un joueur qui part à tapis, c'est un fold. Un as au bouton, une raise. Je touche mon 6. On va le checker. Allez, on va miser au cas où ici. Pour avoir peut-être un check de sa part à la river. Voilà, ça passe. Très bien. Le double check m'a fait penser que j'étais devant, donc ça m'a donné envie de miser. Dame-6, je fold. Bon, plutôt bien placé pour l'instant. Deuxième en jeton. Là, on va folder. Ici, on va relancer. Rien d'intéressant. En plus, on est face au chip leader, donc on ne va pas s'enflammer. Traité de voleur, on dit que je vole beaucoup apparemment. J'ai pas l'impression pourtant. Ouais, je vais jeter.
Il y a encore deux joueurs qui parlent derrière moi. Je n'avais pas mis d'argent dans le pot. Bon, j'avais la position, ça pouvait se tenter. C'est pas non plus une main exceptionnelle. Voilà qui est intéressant. Pour 12 euros de plus, est-ce qu'on va perdre Cro-Magnon? Tirage couleur. Yes, ça sort, c'est bon, parfait. Bon, c'est chaud de payer tirage couleur ici, avec rien de plus. Mais tant mieux. Donc il y a un gros chip leader, avec 45 blindes, et derrière on se tient 11 blindes, 16 et 17. Tout est possible. 47 euros d'assuré, on joue pour 61. Bon, là, ce sera un fold. Là aussi. Si c'est deux également. Et 9, c'est pas génial, même à 4 joueurs. Ah, puis là, il y a le chip leader qui va profiter de la situation. As-Valet. Paire de 7, 14 blindes. S'il va à tapis, ça serait payable. Ah bah du coup, c'est moi qui vais faire tapis ici. Je mets la pression. Il y a 60 000 à prendre tout de suite, puis il a simplement en call. Du coup, il y a de bonnes chances qu'il jette. Ah. Paire de 8, je joue mon tournant là-dessus. Vu les stats, ça donne pas envie. 13% de relance sur 160 mains. Ça me paraît un tout petit peu trop juste. Paire de 10, j'aurais collé, bien évidemment. Là, paire de 8, ça me paraît un tout petit peu léger. Surtout par rapport au profil du joueur. Puis encore une fois, je préfère être l'agresseur plutôt que celui qui paye. C'est-à-dire que souvent, 18 blindes. Alors on va tenter le coup. Souvent avec paire de 8, on va se retrouver soit très loin derrière, c'est-à-dire contre une paire au-dessus, soit à 50-50 sur un As-Roi, As-Dame, As-Valet, Roi-Dame suité, etc. Donc bon. Là, je vais fold. Dix quatre aussi. Je vais tenter proposer le deal parce que ça fait quand même longtemps qu'on joue et on peut voir à quatre, pourquoi pas, voir ce qu'ils disent en tout cas.
6, 4, je vais jeter. Alors, est-ce qu'il va call ici? Il n'a pas énorme à rajouter. Il fait ainsi quand même 200 000. Malgré tout, il n'a pas un gros tapis. Là, avec Roi-Valet dépareillé au bouton, ça sera tapis. J'ai que 12 blindes. Et ça passe. 10-2, je jette. Voilà, avec 9 et 8, je peux pas. Bon, personne n'aura répondu à la proposition de deal. Paire de 2, c'est pas génial. Allez, on va aller voir le flop. Et on va folder. Le chip leader joue de manière très prudente. Pas de super main pour l'instant. Lui, c'est bien parce qu'il me laisse quand même assez souvent les blindes. Un limp UTG, là, ça sera tapis avec 10 blindes. On espère juste que le chip leader va passer. Et ça passe. On gagne un petit pot, on affaiblit un petit peu le short stack. Là, logiquement, il faudrait qu'il mette tapis pour éliminer le joueur. Allez. As-5. Ah, il y a du pique. Oh, dommage. Un 5 ou un pique et c'était bon. Et malheureusement. Nous voilà à nouveau tous dans la course. Oh, payer rapidement. Allez, du carreau, un as, une dame. Oh là là, décidément, il n'y a rien qui sort. Il y a eu plusieurs opportunités pour n'être plus que trois.
Là, on est vraiment tous dans la course. Tout à l'heure, il avait 33 blindes, il n'en a plus que 17. Le short stack à 10. Lui, il est passé à 1,5 million quand même. Grosse relance, on va jeter. Cinq et quatre, c'est un fold. Et il y a eu deux grosses rencontres, et malheureusement, ça n'a pas tourné comme il fallait. Il doit être sur tirage Brésil 6 et 7, ouais, avec que le 6 et là 8 et 3. Valet 5, je vais folder. C'est un fold. Allez, là on va faire tapis avec un as. On n'a pas du tout envie d'être payé. Ça passe. Il a réfléchi longtemps quand même. La suite, là, c'est plus logique. Et ça passe aussi. Il est un peu plus agressif avec un gros tapis. Paire de 9. Là, ça sera tapis aussi. Il y a un peu d'argent mort à prendre au milieu. Et j'ai une belle main. Et il a limpé en premier de parole. En général, c'est pour se coucher derrière. Celle-là, je ne vais pas la jouer. Parce que j'ai deux joueurs qui parlent derrière moi. Allez, on va simplement min-raise ici avec 14 big blind. Espérer peut-être un tapis d'un joueur, pourquoi pas. Ça a été collé, j'ai un flop favorable, on va continuer. C'est quand même un flop assez dangereux, donc on va miser. Plus cher que la moitié du pot. Ça passe. Là, ça sera un fold. Là aussi. Allez, ici on va miser. Et voilà, c'était la question que j'étais en train de me poser. Est-ce que avec As-6 dépareillé, s'il va à tapis, je paye ou pas?
Et la réponse sera non, parce qu'il a que 4% de 3 bêtes. Donc s'il a un as, ça sera forcément avec un meilleur kicker. Et une paire intermédiaire, je serai derrière. Il n'y a que contre Roi-Dame, Roi-Valet, Valet-Dame que je serai légèrement devant, mais je pense qu'il faut folder dans ce cas-là. Vu que je joue mon tournoi aussi, quoi, en fait. C'est pas comme s'il avait simplement 3 ou 4 grosses blindes. Là, je joue mon tournoi avec As-6 dépareillé. Sur un 3 bet d'un joueur qui n'avait fait que 4% du temps. C'est pas non plus le profil ultra agressif. Alors voilà un coup qui pourrait être intéressant. Il y a déjà 300 000 au milieu. Valet 7. Là, je vais jeter. Valet 7 sur flop Roi 9-9. Bon, en tout cas, on a un joueur qui s'est affaibli ici avec 4 blindes. On joue pour 14 euros de plus, ça serait pas mal qu'il soit éliminé lui. Ah. Eh bien, on en perd un. Parfait. On se retrouve à 3 joueurs assurés de prendre 61 euros. On joue pour 81 euros de plus. Alors là, ça serait bien qu'il paye lui. Non, dommage. Alors j'avais une belle main pour mettre la pression, mais pas pour payer. Là, c'est pas génial. Alors, il paye. Allez, un petit 9 et on n'en parle plus. Yes. Eh bien, c'est un tête-à-tête. Excellent. Excellent. 81 euros de gagné. Bon, on n'est pas du tout favori face à quelqu'un qui a 10 fois plus de tapis que moi. Donc là, ça sera un fold avec 6 et 3. Allez, là, on espère qu'il paye et pouvoir doubler. Non. Là, c'est une bonne main en tête à tête, donc ça sera tapis. Hauteur roi, qui plus est aux mêmes couleurs. Allez, ah, il faut toucher. Yes, j'avais quelques cartes. Le valet, le 9, l'as, le roi. On revient un tout petit peu dans la course. Là, on va min-raise. Ah, là, c'est vraiment connecté comme flop, c'est pas génial. On va checker. Et là, on va folder. Allez, on va voir le flop. Pas grand chose d'intéressant. Je peux même pas faire un semi-bluff. Va relancer à tapis, on va jeter. Un roi en tête à tête. Ça sera tapis avec 12 blindes simplement. Allez, il va falloir toucher. Une dame, un roi. Yes, une dame!
Oh là là, le coup de bol. Il avait une belle main en tête à tête, paire de neuf, c'est une super main. Là, on peut relancer en min-raise maintenant avec 24 big blind. Et là, avec As-10, ça sera payé. Allez, il faut toucher encore. Allez, une dame, 10, As, beaucoup de cartes, les cœurs, et As, un As. Je jouais vraiment énormément de cartes. Ah oh non, et oui, il a full. Ah non, pas full, il a brelan. Là, j'ai cru que j'avais pas gagné le tournoi, mais que j'avais fait vraiment mal en touchant cet As. Je jouais beaucoup de cartes, je n'avais pas vu le brelan de 5. Voilà la main ici. Ouais, au flop, je pense que je suis pas mal. Les 10, les dames, les as me font gagner. Là, il touche son brelan. Du coup, il me fallait un cœur pour gagner ou alors une dame. Bon, c'est quand même un super résultat sur 180 joueurs. Si je dis pas de bêtises. Terminé deuxième. Alors que j'ai été short stack pas mal de temps du tournoi. Un joli gain qui va faire du bien à la bankroll. Voilà, c'était intéressant. Plutôt long à certains niveaux, mais le résultat final est vraiment excellent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter selon ce que vous pensez. Et puis, à bientôt.